Hello. Alors aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo sur un lit. Tout va bien, je suis trop bien en vrai. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis là. Puis aussi parce que ma mère est en bas, ma chambre est en bordel. Donc forcément ben, j'utilise une autre chambre, c'est-à-dire la chambre de mes parents et plus précisément le lit. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le Black Friday, comme vous devez le savoir, il est désormais présent sur les boutiques depuis une semaine il me semble. Donc pour fêter entre guillemets cette occasion, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de différentes papeteries en ligne. Je vais vous présenter donc trois types de papeteries: les basiques, les plus chères et les bonnes affaires, qui sont à la fois donc des très bons produits qui sont peu communs, mais également qui sont dans une tranche de prix qui sont vraiment abordables. Donc c'est de très bonnes affaires et c'est pour ça que je garde cette troisième catégorie pour la fin. Bien sûr, je ne suis pas débile, mais c'est pas pour autant que les deux autres catégories ne sont pas à voir, parce que vous allez voir, j'en suis sûre, que je vais vous apprendre des papeteries que vous ne connaissez absolument pas. Je vais juste tomber sur des petites pépites qui se situent dans ces trois catégories différentes et franchement je pense que vous allez kiffer. Avant de commencer, si vous êtes dans les études, que ce soit supérieur, lycée, que ce soit plus précisément la fac de droit, que vous aimez bien l'organisation et que vous avez besoin de conseils à ce sujet, je vous propose dès maintenant donc de cliquez sur le petit bouton abonnement. Normalement il y a ma petite tête qui est située en bas à droite de l'écran, donc vous appuyez dessus et vous avez un bouton abonné, vous avez juste à cliquer. Voilà, c'est un petit conseil si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo, etc. Ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je sors une vidéo sur ce sujet. Également j'ai un compte Instagram qui traite du même sujet que je vous mets juste ici. Le lien est également en barre d'infos et donc ça parle voilà de ma chaîne YouTube, de mes cours plus précisément à la fac, de ma méthode d'organisation, enfin tout ça et puis vous pouvez suivre tout au long en fait de ma journée, mon quotidien, voir ce que je fais, qu'est-ce que vraiment une vie d'étudiante. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc on va commencer maintenant avec la première catégorie qui est les basiques. Alors les basiques, je vais parler de trois plateformes différentes. Donc on va parler de plateformes qui sont ici connues, enfin selon moi en tout cas. La première, la plus connue, c'est Amazon. Alors Amazon n'est pas une plateforme spécifiquement dédié à la papeterie, puisqu'on peut trouver tout type de choses, que ce soit électronique, que ce soit livre, que ce soit tout ce que vous voulez. Mais Amazon, d'empêche, ils ont des produits des fois qu'on ne trouve pas dans d'autres papeteries, qu'on ne trouve pas ailleurs, et ils ont des prix qui peuvent être abordables. Donc je vous propose d'aller voir plus en profondeur, parce que je sais qu'Amazon, on essaye souvent d'acheter des trucs pour nous faciliter la vie parce qu'on sait qu'il y a tout sur Amazon, mais regardez le coin un peu papeterie et vous allez peut-être tomber sur des petites perles. Ensuite, on a un magasin qui s'appelle Top Office, et ça je pense que vous connaissez. Moi j'en ai pas dans ma région si je me trompe pas, en tout cas j'y suis jamais allée, mais j'ai scruté un peu leur site internet, ce qui est un peu pareil qu'un autre que je vais vous présenter juste après. Et voilà, donc c'est de la papeterie assez basique. Vous pouvez trouver pas mal de choses, que ce soit en lot ou en simple format unitaire si on peut dire. Et enfin le dernier de la catégorie basique, c'est un de mes préférés pour le coup, c'est là où je fais mes fournitures scolaires toutes les années avec un autre que je vous présenterai plus tard. Mais celui-là c'est vraiment la base en fait, si vous voulez des fournitures scolaires solides, basiques, ce magasin je vous conseille de fou, c'est Bureau Vallée. Alors Bureau Vallée vous en avez un peu partout, c'est très connu, vous avez également le site internet qui est disponible. Et c'est vraiment une ancienne moi qui m'a toujours attirée, je ne sais pas pourquoi, mais tout le temps j'ai envie d'aller dans ce magasin. Dès que je le vois, qu'on passe en voiture ou quoi, j'ai envie de m'y arrêter pour faire un tour, même si je sais que je vais rien acheter. Je sais pas, ce magasin m'inspire vraiment, pourtant c'est des choses assez basiques. Mais voilà, si vous voulez faire une bonne rentrée scolaire, vous savez que vous pourrez tout trouver là-bas sans aucun problème. Maintenant on va passer à la deuxième catégorie, donc qui est la catégorie plus chère. Donc là je vais vous présenter trois pareils. Dans chaque catégorie il y a toujours trois papeteries que je vous présente. Et là ces papeteries, alors j'en connais une sur trois à peu près, parce que je suis allée vraiment voir le site internet plusieurs fois, mais je veux dire j'ai jamais commandé sur aucune en fait. Et les deux autres du coup je viens de les découvrir pour cette vidéo, puisque j'ai un peu cherché etc pour approfondir un peu quoi. Je vais d'abord vous parler de Riffle Paper Co. Excusez-moi, je lis parce que c'est un peu difficile à prononcer. Donc là ils proposent des produits différents tels que des accessoires pour cheveux, de la papeterie notamment, ce dont je n'en parlerai pas dans cette vidéo, des objets pour Noël, notamment des calendriers de l'Avent, et ils proposent d'autres choses que je vous suggère d'aller voir sur leur site. Leurs produits sont très beaux, il n'y a aucun souci avec ça. C'est vrai que les prix sont un peu élevés, donc il faut quand même sortir de l'argent pour pouvoir les acheter. Après je n'ai jamais testé personnellement, donc je pourrais pas vous dire au niveau de la qualité, mais ça a l'air des produits qu'ils ont l'air d'être bien, donc je ne critiquerai pas là-dessus, loin de là. J'ai trouvé que cette papeterie était très intéressante, donc allez checker. Ensuite, deuxième papeterie que je ne connais pas mais que je viens de découvrir, c'est Papier Tigre. Papier Tigre, c'est une papeterie qui propose pas que de la papeterie mais également des accessoires, des goodies, et surtout le truc que j'ai adoré, c'est qu'ils permettent de personnaliser des carnets et des affiches, c'est-à-dire que vous
pouvez faire sur mesure en fait votre carnet et vos affiches comme vous le souhaitez. Et ça c'est pas donné dans toutes les papeteries ni dans tous les sites en ligne d'ailleurs, et c'est vraiment un concept que j'ai trouvé cool. Donc si jamais vous avez besoin ou si jamais vous voulez en fait personnaliser quelque chose, donc c'est-à-dire un carnet ou une affiche, vous pouvez aller directement sur leur site, ils le font. Les prix sont chers mais que sur certains articles, il y a d'autres articles qui sont abordables, donc cherchez un peu ce que vous voulez et vous pouvez tomber sur des belles perles je pense. Ensuite la troisième boutique de cette catégorie c'est Mr. Wonderful. Ça je pense que tout le monde connaît puisqu'ils font des produits juste magnifiques. Il me semble que c'est inspiré des États-Unis mais qu'ils ont une boutique physique en Espagne si je me trompe pas. Ils proposent en fait des objets de papeterie si vous connaissez pas, très extravertis, par contre à des prix très onéreux. Voilà, Mr. Wonderful c'est connu pour ses beaux designs, ses beaux carnets, surtout ses beaux agendas, vraiment pour les agendas c'est connu de fou, mais c'est aussi connu pour son prix assez élevé. Donc ça c'est à vous à savoir si vous voulez mettre l'argent dedans. Moi plusieurs fois j'ai hésité hein, je vous avoue plusieurs fois j'ai scruté le site et tout, je me suis dit ouais et tout je vais mettre de l'argent, mais ça revient quand même cher et moi je sais que les carnets etc ça me dure un temps mais après j'arrête parce que ça me saoule et je passe à autre chose, ça servait à rien pour moi. Voilà, mais si jamais vous êtes quelqu'un qui adore l'organisation, qui est stable, qui garde les mêmes choses au long du temps, franchement prenez un agenda ou un carnet de chez eux parce que c'est de la pure folie. Donc petite parenthèse, si toutes ces papeteries vous plaisent jusque là n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, le bouton comme je l'ai dit est en bas à droite, ou vous pouvez également aller sur le lien de ma chaîne qui sera en barre d'infos et vous abonner, parce que voilà ça me ferait plaisir à moi, ça me ferait plaisir à vous, vous aurez du contenu qui vous attire, c'est l'essentiel. Bref, je m'arrête sans plus tarder parce que là je vous fais patienter pour la dernière catégorie. La dernière catégorie donc comme je vous expliquais c'est les bonnes affaires, donc on va commencer par deux que je viens de connaître et qui sont réellement des bonnes affaires selon moi, et un dernier que je commande toujours dessus qui va avec Bureau Vallée selon moi et je vous expliquerai à la fin. Le premier se nomme Agent Paper. Alors Agent Paper, il propose de la papeterie et des loisirs créatifs. Voilà pourquoi j'ai mis dans les bonnes affaires, parce que j'aime énormément les loisirs créatifs. Donc il propose vraiment des produits variés. Vous pouvez aller voir, les designs sont top, il n'y a pas de souci là-dessus. Et leurs prix sont très abordables. Il n'y a pas de prix qui sont vraiment élevés, ça reste convenable. Donc vous pouvez commander là-dessus sans souci. D'ailleurs, si vous voulez une deuxième vidéo sur les papeteries en ligne que je peux vous conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et 100% sûr, je vous ferai une deuxième partie, il n'y a pas de souci. Le deuxième de cette dernière catégorie, ça s'appelle Saperly Paper. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, mais je suis tombée là-dessus et je me suis dit, c'est un bon concept. Le concept de cette papeterie, il y en a peut-être d'autres qui le font, mais j'ai trouvé leurs produits par rapport au niveau qualité-prix vraiment rentable. Donc en fait, ils proposent des coffrets de papeterie. Le coffret se situe entre 30 et 40 euros. Je sais que celui pour Noël, je crois qu'il coûte 45 euros, il coûte un peu plus cher, mais en général, c'est entre 30 et 35 euros plutôt. Et en fait, ils proposent donc une belle carte inspirante, 7 à 10 produits différents, ça peut être donc, là je l'ai noté donc je vais vous dire, carnet, carte, crayon, graphique, bloc-notes, gomme, masking tape, papier coloré, trombone originaux, etc. Et également ils vous mettent un produit qui disent surprise, qui peut être un accessoire de décoration, des rangements ou clin d'œil au thème de la box. Donc ça peut être voilà des choses variées. Il faut savoir que chaque box a un thème précis et que vous recevez des box tous les 2 mois. Mais en tout cas c'est quelque chose qui peut être super si vous voulez découvrir des produits, des papeteries en ligne à travers leur coffret. Donc je pense que c'est une super chose que vous devez sauter sur l'occasion. Donc n'hésitez pas. De toute façon, tous les sites seront mis en barre d'infos sans souci. Et enfin, on arrive au dernier. Et le dernier, c'est quoi? Je pense que vous en doutez un petit peu. C'est la papeterie Emma. Et oui, Emma est super connue dans toute la France. Je pense que je ne suis pas la seule à la connaître, loin de là, puisqu'elle s'est installée avec plusieurs commerces physiques partout. C'est une boutique en fait qui propose des produits très variés, plutôt dans le style américain, mais à des prix très abordable. Je crois que je n'ai pas vu une concurrence au niveau qualité-prix dans ce domaine-là qui pouvait concurrencer Emma. En fait, je crois que j'en ai pas vu. Et franchement, cette papeterie-là, moi, je fais mes fournitures scolaires à Bureau Vallée et tout ce qui me manque, je l'ai fait à Emma. Parce que vraiment, ils ont des produits tellement choux, tellement originaux, tellement peu chers, que vous avez envie tout le temps d'acheter un truc. C'est incroyable. Et donc, je vous conseille fortement d'aller y passer un tour parce que vraiment, c'est très abordable et je pense que tout le monde peut dépenser très facilement son argent là-dedans. Faites attention. Donc voilà, je vous ai présenté les 3 catégories de papeterie, donc les 9 papeteries en ligne au total que je trouve très bien, que j'ai pu constater ou que j'ai pu aller checker tout simplement leur site et que j'ai trouvé vraiment cool et que je pense que j'essaierai quand même de faire quelques commandes là-dessus. Donc j'espère que ma vidéo vous en aura appris sur différentes papeteries. J'espère également qu'elle vous aura plu. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à
donc comme je vous l'ai dit, tourne la vidéo, à vous abonner, à aimer et à commenter en me disant donc des idées de vidéos si vous en avez. Également j'insiste, mais si vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire, c'est super important parce que sans souci je peux trouver d'autres papeteries parce que j'en ai trouvé d'autres que j'ai pas mis dans ce classement là, mais qui sont pas mal du tout aussi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!